Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo d'ouverture de booster. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai ouvert un tripack ciel rugissant avec comme petite carte promo point d'arbar. Alors pour l'information, je recherche activement la carte promo avec Regirock. Je crois que c'est Regirock en Alpharte. Parce que je crois qu'en tout, j'ai eu 4 fois cette carte et jamais l'autre. Donc bah écoutez, je la cherche à l'échange ou dans le pire des cas à la vente. Si vous l'avez, ça m'intéresse. Donc on va s'ouvrir ce tripack et un petit booster en plus qui était en fait avec ce cahier. En fait, c'était le cahier était vendu avec un booster en plus. Donc voilà, ça fera au moins 3 boosters ciel rugissant et un quatrième de points furieux. C'est le seul tripack que je vais ouvrir en votre compagnie de ciel rugissant. Hein, puisque, comme je vous l'ai dit, j'en ai déjà ouvert 2. Et un que malheureusement j'avais acheté parce que je pensais ne pas trouver ces tripacks. Donc voilà. Donc j'ai 4 fois ce pandarbar. Enfin, 3 fois vu que j'en garde un pour moi quand même. Qui est quand même magnifique. Hein. Faut quand même dire ce qui est. Les couleurs sont sublimes. Ça fait vraiment... Moi quand je la regarde, je la trouve magnifique. On dirait presque qu'il est shiny tellement qu'il y a des couleurs énergiques, pleines de lumière, pleines de... Voilà, c'est vraiment très très beau. J'adore cette carte. Après, j'ai pas vu le Regirock en vrai, vu que je n'en ai pas eu. Donc je sais, je peux pas dire pour celle-là. Oh, on s'en fout du collant. Du coup, on a un Deoxys, 2 Rayquaza et un point furieux. Bon, on va commencer directement par le point furieux. Hein, on va garder le meilleur pour la fin. Enfin, je dis ça, j'espère juste que je vais pas tomber une ultra dans point furieux et rien dans le reste. Même si ça me ferait plaisir, c'est pas le but de cette vidéo. Donc le petit code, écoutez, je vais vous le donner, ça fait longtemps. Hop. Voilà. Donc je vous rappelle, hein, les petits codes, si ça vous intéresse, tentez votre chance. J'ai pas non plus 36 000 abonnés, abonnés qu'un grand Z, sur ma chaîne. Donc il y a des chances que le code n'ait pas encore été utilisé. Alors, petit art, ça fait bizarre de faire du français parce que je n'ai pas ouvert beaucoup ces derniers temps, beaucoup de japonais et d'anglais, donc ça me fait bizarre d'avoir le nom marqué dessus. Polarume, Escargôme, Gringolem, Craquenois, Pandespiègle, ben voilà, hop. On a eu Pandarbar, on a Pandespiègle, voilà, il ne veut pas tenir, c'est pas grave, d'or. Collecte d'outils, ceinture force. En reverse, ah ben c'est une holo reverse, super première reverse. Macogneur, holo reverse. Bon, j'ai beaucoup de reverse et beaucoup de holo dans ma phrase. Et derrière, ce sera un très joli tarpeau en rare. Bon, une simple rare, mais j'aime beaucoup ce Pokémon, je sais pas pourquoi, je le trouve très marrant. Donc, très contente. Hop, premier rare de l'ouverture. Du coup, qu'est-ce qu'on fait Allez, j'ai envie de garder Rayquaza pour la fin. Donc, on va ouvrir le Deoxys. Légendaire que j'apprécie le moins, je pense. Enfin, il y en a d'autres que j'aime pas non plus, hein, mais ça fait partie de un de ceux qui m'est le plus antipathique, on va dire. Hop, alors je vérifie qu'il est bien vite, j'ai eu l'impression bizarre. Du coup, le petit code, ben, je vais vous le donner aussi. Hein. Allez, c'est la vidéo du code. Voilà. 1, 2, 3, 1, 2. Alors j'essaie de pas me spoil à chaque fois, mais c'est pas facile. Alors, Togepi en fée 9-9. Natou en half art. Passe rouge. Chenipot. Le rappel en dresseur. Togetic. Le foulard apaisant. Très très joli foulard. Goélise en commune reverse. Et Victini en rare. Bon, bah deuxième rare. Bon, Pokémon que j'aime bien aussi, il est chouette sur cette illustration. Bon, bah deux rares, mais deux rares sympas, donc on va dire que ça passe. Allez, non, oui, celui-là. Je sais plus quel fait partie du tripack, quel fait partie de l'autre. On va voir. Hop. Ah là là, qu'est-ce qui fait chaud, les amis. Même en Belgique, vous voyez, il fait chaud. Hop, bah, j'avais dit que je donnais les codes, donc je le donne aussi. Hop là. 1, 2, 3, 1, 2. Alors, avant-dernier booster, Nirondelle, ça serait bien au moins une holo, qu'on n'ait pas que des rares, ce serait chouette. Le 9, Brutalibré, un magnifique Pikachu, Natou, lien spirituel Latios, Papinox,
Rapace de pique. En reverse, Scorplane en commune reverse. Bon, celle-là, je l'ai eu je crois que je dois bien l'avoir 3 ou 4 fois, cette reverse. Et du coup, derrière, nous aurons Togeki sans rare. Bon, que des rares. Allez, le petit booster de la fin. Porte-nous chance, s'il te plaît. Ça serait vraiment chouette. Même... allez, une holo, ça m'irait. Voilà, je me contenterai d'une holo. Ce serait déjà sympa. Après, au mieux, une foulard, ça serait chouette aussi. Hop. Du coup, on commence par un Miaouz. Donc, très très chouette booster déjà. Avec ce petit Miaouz qui se fait espionner par un Sepiatop qui prépare un mauvais coup. Piafabec, qui a l'air géant avec la tour derrière. On dirait un Piafabec géant. Natou, Polichombre, Mini Draco, Alizé, j'aime beaucoup ce prénom. Ah, Lien Spirituel Rayquaza, je me rappelle pas avoir déjà eu cette carte, tiens. Il me dit rien. Electrode, en reverse, Branette en Alphard reverse, donc déjà une rare reverse, déjà sympa. C'est pas une holo celle-ci, je l'ai déjà eu, c'est pas une holo. Et du coup, la dernière carte de cette ouverture. Bon, mais pas d'ultra. Pas encore un Togekiss. Non, Trousselin, c'est encore pire. Bon, les amis, décidément, cette ouverture n'aura pas été chanceuse du tout. Donc, petit récap, hop, 30 secondes, c'est fait. Je ne sais même pas s'il y a réellement besoin de le faire, mais bon, c'est pas grave, je vais le faire quand même. Donc, en reverse, un Branette, Scorplane, Goélise, Géolise, rien à voir, Macogneur, et en rare, on a eu 4 rares, donc Trousselin, Togekiss, Victini, qui est quand même très mignon, et Tarpeau, qui l'est aussi, donc... allez, 3 jolies rares sur 4. Quoi qu'elle est jolie aussi, mais bon, c'est Trousselin, quoi. C'est moins intéressant. Et bien sûr, la carte promo du tripack, qui est quand même très sympa. Et, bon, forcément, je vous l'ai mis en fond, mais je ne voulais pas forcément montrer. Donc, le cahier, avec Rayquaza devant et Galam derrière. Bon, je suis pas convaincue que ce soit les plus beaux de la série. Oui, il y a plein de poils en plus. Super. Mais j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous voyez les couleurs là-dessus. C'est vraiment très, très joli. Voilà. Et bien sûr, le jeton qui va rester là, collé au poster, parce qu'il me paraît très bien à sa place. Du coup, écoutez, je vous fais de gros bisous. Décidément, je crois que cette série ne m'aime pas. Voilà, c'est... Non, en français, en anglais, j'ai eu très peu de chance dans cette série. Après, en japonais, forcément que j'en ai un peu, puisque c'est des displays que je prends, donc il y a un minimum à avoir. Le jour où j'ai une display japonaise sans la moindre ultra dedans, je pense que j'arrête les vidéos. Voilà, j'arrête. Simplement. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je pense, à moins de trouver les Pokébox qui sont en train de sortir de Brazegali, Lagron et Junko, je pense que je n'ouvrirai plus de ciel rugissant sur ma chaîne. Et donc, je vous retrouve pour la série suivante qui sort le 20 juin. Au Japon et que j'espère recevoir rapidement bien sûr pour vous la montrer. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Et bien rebonjour les amis, donc on se retrouve juste après la vidéo. Donc c'était pas prévu, mais au vu du fait qu'il y a eu un tirage franchement pas génial, j'ai décidé de faire un petit bonus à la fin de cette vidéo. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez effectivement lu dans le titre qu'il fallait rester jusqu'à la fin et que vous avez la patience de quand même regarder tout. Donc je vais vous montrer rapidement, c'est un petit bonus très rapide, hein, ça sera pas, vous attendez pas à de l'extravagant. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Ce sont des boosters promo japonais, donc de Gym Heroes ou Gym Challenge, je ne sais plus. Donc normalement il y a une carte uniquement dedans. Je ne sais pas du tout ce que c'est, je les ai pris plus par curiosité qu'autre chose parce que je vois pas trop ce que ça peut être. Je sais juste que ce sont des cartes Jap, des cartes promo et des cartes de Wizard, de Gym Challenge, Gym Heroes, je pense que c'est ces séries-là en tout cas. Donc on va se les ouvrir, juste pour voir la carte qu'il y a là-dedans. Ça se trouve c'est juste une carte de la série, mais voilà, j'étais curieuse de voir ce que c'était, donc... j'espère ne pas couper la carte qu'il y a dedans, sinon je me pends. Non, c'est bon. Voilà, vous voyez déjà c'est le dos que nous avons maintenant. Donc ça me paraît bizarre d'avoir une carte de Gym Challenge avec, les dos actuels. Donc je vais voir ce que c'est. Ah, donc c'est bien une promo. Mais effectivement, ce n'est pas du tout celle à quoi je m'attendais. Donc ça, c'est une carte...
je ne sais plus de quelle série. Je crois que c'est une carte holo qui était dans les tripacks de Vigueur Spectrale ou Point Furieux en français et en US. Donc voilà, donc c'est une carte promo. Donc pour bien vous la montrer, c'est bien une carte promo, c'est pas du fake. Si vous bien faire la macro, voilà. Donc c'est la 39 XY. Bon bah écoutez, pourquoi pas, c'est très sympathique quand même, moi je suis contente de l'avoir eu. Du coup, les deux autres, je sais même pas, vu que c'est pas la même couleur, je sais pas si vous voyez, il y a du violet, du orange, du vert. Il y a même le chiffre 2, 3 et 4, donc je suppose que ce ne sont pas les mêmes cartes, hein. Ça serait bizarre quand même de mettre des couleurs et des chiffres différents pour les mêmes cartes. On va voir ça tout de suite. Voilà, donc c'est des petites promos comme ça. Du coup, je sais pas dans quel sens, comme ça. Là, oula, j'ai plein de... Oh, j'ai le hockey en plus, c'est pas cool. Ah, je bouge tout, voilà. Et du coup, celle-ci, ce sera... Oh, un l'euphorie. Donc la promo 87. Mais celle-là, je vois même pas d'où elle est. Si c'est une carte d'une série récente, je vois pas du tout laquelle, parce qu'elle me dit absolument rien. Non. Et je sais pas si vous voyez, donc pour bien montrer que c'est une carte promo, il y a une espèce de petite icône ici, je sais pas ce que ça représente. Donc deuxième carte promo. Et la troisième. Hop. Voilà. Je vais réussir à couper. Hop là. Qu'est-ce que nous réserve cette carte? Non, dans l'autre sens. Déjà, c'est un Pokémon haut. Oh, spoil. Et du coup, cette dernière. Non, dans ce sens-là. Dernière carte, ça sera un lanterne. Donc c'est la 111 XY. Si ça veut bien faire la macro. Voilà, donc tout simplement, c'est moi qui avais mal compris. Je sais pas pourquoi j'avais lu Jim quelque chose. Enfin, rien à voir. Donc toujours la carte avec le petit machin promo ici. Très très jolie carte. Pareil, qui me dit absolument rien non plus. Voilà, je vous les remonte toutes les trois. Hop. Donc le Tangalis que je sais qui existe en holo, il me semble en tout cas que c'est celle-là. Et puis deux autres cartes que je n'avais jamais vues, donc que je vais mettre dans ma collection. Et ne vous en faites pas, je n'ai pas oublié le petit dernier, voilà. Donc avec un petit icône Pikachu. Donc c'est pas la même chose ce coup-ci. Je ne sais pas comment l'ouvrir sans tout abîmer. Je pense que par là je peux l'ouvrir sans risquer quoi que ce soit. Hop. Voilà. Nickel. Je regarde juste pour pas la spoil. Voilà. Et du coup, quelle est cette carte? Toudoudoudou. Waouh! Pikachu et Evoli. Elle est magnifique. Je sais pas si vous voyez, elle brille énormément. Plein de petites paillettes. Très très belle carte. Donc c'est la 235. Noir et blanc celle-ci. Donc c'est pas XY, c'est noir et blanc. Donc c'est une promo. Il me semble que c'est une promo qu'on avait aussi dans les packs... coffret des dragons, il me semble. Voilà, donc elle brillait pas de mes souvenirs, elle ne brillait pas, celle-ci elle brille, donc c'est bien une sortie japonaise, hein. Donc très très contente de l'avoir, elle ira dans ma collection Pikachu parce que je ne l'avais pas. Bon bah écoutez, voilà les amis, le petit bonus de la fin avec ces quatre petites cartes. Bon, très contente de les avoir achetées quand même, ça faisait la surprise, je voyais pas du tout ce que ça pouvait être, donc très contente de vous les avoir montrées en espérant que ça vous ait plu. D'ailleurs, je viens de remarquer, ouais, celle-ci, il y a un petit truc juste ici. Ça veut bien faire la macro, faire la macro. Voilà, je ne sais pas du tout ce que c'est. Si vous savez, dites-le moi. En tout cas, je vous fais de gros bisous et comme dit précédemment, hein, à la prochaine.